Oui, allons, si Swiss madame. Farewell, farewell. Oh, Father, I'm tired of burning. Farewell, farewell. Oh, Father, I'm tired of burning. Alors Alessandro, je suis très content de t'avoir et on est très content de t'avoir. Tu nous as fait vivre un super moment lors de ce concert. Oui, c'est vrai que c'était un moment... Donc c'est toi qui as organisé tout ça. Alors au départ, c'est l'idée de prolonger, prolonger les ateliers, c'est-à-dire les gens ils viennent ici. On a des maîtres de stage qui font partager les passions. Et puis, on a peu l'occasion de voir jusqu'où, éventuellement, ça peut mener si on y va, on y va et on y va encore. Et donc, ça a été la double idée à la fois d'animer une soirée avec un concert de gospel qui poursuit, mais en même temps, de le faire dans le village parce qu'on a cette relation avec le village. Et donc, tes élèves, en quelques jours, ont été capables de faire ça? C'était des amateurs ou ils avaient déjà pratiqué? Non. Alors, je crois que ça suscite l'étonnement de tout le monde parce que quand on pense chant, les gens, ils pensent technique, ils pensent justesse, la qualité de la voix, ils pensent qu'il faut des tas de qualités pour commencer. Si on réfléchit un petit peu pour le gospel, par exemple, ils n'ont pas fait d'audition, les esclaves. C'est tout con, hein, mais ça servait à se retrouver le soir, à se compter et à faire une chose que personne ne nous prendrait. Voilà. Et si on est dans cette dynamique-là, qui est une dynamique d'énergie de vie, on est capable de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, moi, j'y ajoute le fait que je ne fais pas de préalable pour chanter et que je pratique un enseignement de la musique qui est complètement oral et qui se suffit pour chanter. Tout le monde, voilà. Donc, je vais faire... Le préalable de tous mes ateliers... C'est faire ressentir, faire percevoir que sans rythme en commun, sans partage de rythme, il n'y a pas d'unité. Alors on a beau avoir par exemple la meilleure chorale même en classique, si les gens ne sont pas dans la mesure, ben ça dysfonctionne. Or le bénéfice quand on est dans le rythme, pour se préparer à chanter, pour danser même, c'est pareil. Là on sent la force du collectif et notre place d'individu dans le collectif. Il y a un double mouvement comme ça. On se sent faire partie du collectif, mais on n'est pas écrasé par la masse. On sent qu'on a une influence sur la masse. Et puis la deuxième chose, c'est aussi c'est un apprentissage populaire, c'est-à-dire que l'erreur, elle est positive pour nous. À partir de l'erreur, on peut donner des explications à tout le monde. Voilà. Et moi, c'est ce que je pratique. Est-ce que parallèlement, tu fais des stages ? Pour moi, oui, bien sûr. Je fais... en ce moment, je suis très branché pour découvrir des nouveaux instruments de musique. Donc, je fais le stage de trombone. Et c'est pareil, c'est une particularité de la musique, ça. Je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres domaines. Mais dans la musique, on peut être toujours un grand débutant. C'est un particulier. Ça veut dire, tu sais que tu sais un peu, mais t'es obligé d'apprendre parce que tu ne sais pas au fond. Mais la personne qui te fait apprendre, elle va utiliser ce que tu sais pour te faire avancer. C'est, d'ailleurs, dans ma pratique, là, même ici ou ailleurs, en fait, les gens, je ne pars jamais de zéro. Je montre aux gens qu'ils ont un background, qu'ils comprennent tout de suite ce que je raconte. Voilà. Il y a même, sur une des chansons, il y a des gens qui ont trouvé la voix qui était écrite. Ils l'ont trouvée tout seul, parce qu'ils ont une culture musicale que je viens solliciter. Voilà. Donc on part pas d'un territoire vierge comme on fait au conservatoire où on dit d'abord on commence au solfège, il faut que tu saches lire les notes, après quand tu as fait suffisamment solfège tu prends l'instrument. Non, c'est un peu moi comme je le dis ça, comment on apprend à conduire. Le premier jour on apprend à conduire, le mec il te met dans la bagnole, il te dit contact. Bon, il a les doubles pédales, mais en même temps tu es tout de suite au volant de la voiture, mais là on est tout de suite au volant de la musique, hein, c'est pareil. Voilà. C'est pas exactement pareil. Est-ce que tu chantes toi aussi, du coup? Pareil, oui. Tu me fais un petit morceau de quelque chose? Oh, comme ça. Voilà, c'est... Non, c'est tu pas... peux pas? Non, parce que tu vois, c'est-à-dire... alors voilà. Maintenant, quand on a fait ça, on comprend que chanter, c'est au moment où tu parles, tu t'engages, tu vas dire quelque chose. Et si j'ai rien qui vient, je peux pas le faire, tu vois. Voilà. Ok, ben je vais me mettre à chanter alors. Eh ben écoute, voilà.
te remercie, Alessandro. Okay. À bientôt. Parfait.